Congoli Panda. Oh, Congoli Panda. Congoli Panda. Si tu es pas na mbuka Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Congo. Congoli Panda. Asalili bango Congoli Panda. Peningali puna kuyeba historia Congo. Landa Congoli. Voici ma prière de ce matin. Telle est ma prière de ce matin. Telle est la prière poussée par le Saint-Esprit. Et vous allez nous demander en l'univers, en l'esprit et en vérité. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Merci Jésus. Très bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de vie, Mbote Mingi et Paya Bozoami, le lot de Yambi, Moussali Nanzambe, le prophète Patienak, Naye, Toko Sula, le Loma et Matali, prieur et puis prophétie Nakati Amboka Nabiso, c'est le visionneur de l'église Bateau du Feu de Voron, ensemble avec lui pendant 30 minutes, Toko Sula, Loma et Matali, prière, Pelo Sambo, Toza en direct. Par rapport à l'internet, nous appelons en direct dans la radio et le message de vie. Notre numéro, c'est le 89 00 6049. Tu es un bien déjà serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, shalom. Shalom, bien-aimé. Tu es aux oreilles, le nom de Siga Mabondeli. Première question, pourquoi bato le lobazo sambela nabo solo, église nabango, bato tondate, bato sa ba plainte le col avec l'église Moussousou? D'abord, le loco nyonso, Esaïe Yakopo, le benda rabanzinje belé. Le loco ezamalam, le benda rabanzinje belé. La Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu de lits. Il y a 500 000 hommes. 500 hommes sans compter les femmes. Sans compter les vieillards, sans compter les enfants. Mais il y a combien de disciples? Il y a 11. Il y a un homme qui a trahi et qui faisait 12. C'est-à-dire que Jésus est mon bateau, mais il y a 100 000 hommes qui ont été mis. Il y a 11. Parce que Barnabas a été remplacé dans le Sika et Judas. Iscario. Un côté de ça qui panzambe nombre, les anamonatina penzate, mais qualité des eaux comptées.
Mais les autres, ça va faire nombre à l'homme de Dieu par rapport à y a au fond du pénal action des grâces dans quatre églises. Parce que ma partenaire à solo le lot, ma comique aux oies dans quatre églises, et zande, ba oh, ba zo, ça là, ba plein. Ba on débarque au foot, la bango, bisika, ba au somme, la bango, instrument. Avec 50, 100 personnes, vous croyez que le ministère est gouverné? Bon, on a zone dit, ma que c'est avec Jésus que nous irons de l'avant. Et ça, non, ba tout est, on te repousse, on te liboso. Tout ministère qui est poussé par les hommes est coupé un jour parce que les hommes ne peuvent pas détruire rien. Un ministère où ils accompagnés, dirigés par Jésus, il y a parce que David a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas avec les hommes. La Bible ne dit pas avec la foule que nous allons faire des exploits. C'est avec Jésus que nous allons faire des exploits. Donc, l'exploit, il y a Enoch et les parties au Nazali. Les autres, ils sont avec Jésus. Ce n'est pas avec les nombres. Dans la salle, déjà, je suis dans le ministère, dans la bande des bandas, depuis 2013. Dans l'intercession, on a réalisé ma grande chose. Ou peut-être, je suis dans la foule, réaliser des grandes choses qui a touché l'Éternel. Nous ne réalisons pas les choses pour seulement flatter l'homme, parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Amen. Mais nous faisons des choses pour frapper le cœur de Dieu. Nous avons fait des grandes choses dans cette église. Oui, tout ça m'était manzambe et tout ça m'était ma ange. Même pécam ça batou. Par rapport à un nombre moqué, mais comment vous pouvez organiser des choses si grandes comme ça? Donc organiser ma kamba minene et je dépendre na bichoté. Mais si tu es soutenu avec Jésus, si Jésus qui te soutient, comme David a dit, Éternel, soutiens-moi dans mes faiblesses, dans mes forces, sois mon soutien. Très bien. Tu as un numéro 89 00 6049, numéro émission Point de Vie. Tu as en direct na radio télémessage de vie. Tu as en direct à travers le monde. Tu as un mot Nzambe, c'est le révérend prophète Pati Enoch Naye Toko sur la Makambo et le Sambo puis prophétie na Katia Mboka na biso. L'homme de Dieu, quel est le plus grand secret d'un prophète? Le plus grand secret d'un prophète, c'est être dans la présence de Dieu. Un prophète doit aimer l'isolement. Prophète a tout prêt à battre tout moment. Prophète a mon n'a pas battu. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Mais pour selon la Bible ou selon dimension prophétique? Déjà, selon la Bible d'abord, ma prophète va non mon pas battu. Bande aux a toujours na bangomba na bazamba. Ma non fana na bisika na bangomo. Tu vois? Ma prophète va tika la kubima bimante. Présence à prophète na palais royal faux roi souba na bilamba. Je m'excuse. Il doit trembler. Mais aujourd'hui, les prophètes sont minimisés. Aujourd'hui, les prophètes n'ont plus la crédibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de faux prophètes. Il y a peu de prophètes. Ah, vous voyez bien, il y a trop de faux prophètes. Mais non, parce que les diables existent. Tu as combien de mains? Tu en as deux, non? La main droite et la main gauche. Cela veut dire que, étant que je reconnais Dieu, il existe, je sais aussi que les diables existent. Ah, si les diables existent, ils ne travaillent pas seuls. Ils ont un gouvernement, ils ont un programme. Azana ba mission pas confié à Kabatu. Vous voyez, c'est comme ça. Donc Zamba dans le gouvernement naie, mission toi ba représentant Zamba na CA. Satan pas Zamba ba représentant naie, ba tout ba zo représenter. Et c'est pour cela que le diable na kata marché, lui il envoie beaucoup de gens. So Zamba tindi 10. Les vrais atindi bango 10, le diable envoie 100. C'est ce qu'il fait. Yango monde est trop rare. Un vrai homme de Dieu. Namoyalelo. Parce que le diable a envoyé beaucoup. Et ceux qui m'ont demandé qu'ils s'amènent péter, ils sont aux Alukuta. Comment nous, les chrétiens, nous pouvons discerner que nous sommes devant un vrai, devant un faux? Là, pour discerner que vous allez bosser mon sacolia solo, et na zongi na malobaya Josaphat. Josaphat dit là-bas. Roi Moussoso ba yaki ba bundana ye akende ko bundikos ba sangsa armée ba kende ko bundisa ba moabite AFC ba nous ne trouverons pas ici un vrai prophète de l'Éternel qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Il y a liboso pour nous trouver un vrai prophète, il doit avoir la parole. Vinaye sengeza la vie lilo bananzana. Il doit refléter la parole. Il doit pas faire sortir l'apparence. Mais vina et singez ali lobanazan babi, cherchons un homme de Dieu, un prophète qui a la parole de Dieu. Bien aimé, il faut qu'on nous prophète au azanan ali lobanazan.
Celui qui a la parole de Dieu a Dieu. Celui qui n'a pas, parole, n'a pas la parole de Dieu n'a pas Dieu. Mais le lobe binon est tout besoin prophétiser. Le lobe binon est tout besoin s'en mêler, besoin parler en langue. Dieu nous a donné grâce aujourd'hui à quoi retrouver en pleine tilt. Mais le pratique, le parler en langue était beaucoup plus fort. Quel était le message en parlant en langue? La parole, d'abord la parole, tu peux avoir les dons, tu peux avoir des talents. Mon qui pose en anzambete. Et ça, bateau, bas, on a bas, talent, bas, on a bas, grâce, mais bas, ils sont en anzambete. Nous avons dit que l'esprit des mensonges se présenta. Mon limo a l'écouté ça et bimi. Et hier soir, nous avons bâti mon limo a l'écouté quand il a pas prophète ou un n'est prophète à bal. Donc avoir la prophétie, ce n'est pas venir que cela ne veut pas dire qu'avoir Dieu. Même l'esprit des pitons prophétise. L'esprit des serpents sont aucun à end. Les abeilles esprit à bamaï, monter prophétise. Astrologue bazara end. Faisant un tour là-bas, vous verrez. Pour moi, on a bâti nyokazo loba. Azo prédit destiné na yo, c'est comme à l'époque de Jérémie, batba otali samaboko, et na moko kishasa, tu vivais pok wana, yo otali samaboko, otali sa chance. N'importe quoi, Est-ce que le diable peut connaître le destin d'une personne? Oui, le diable a mona musika koleka moutou, parce qu'il est un esprit. Un esprit voit toujours loin plus que l'homme. Tout ce qui est esprit voit plus loin que l'homme. L'invisibilité, c'est ce qui contrôle l'invisible. Et c'est ce qui contrôle ce qui est visible. Donc tout ce qui est invisible est contrôlé par les invisibles. Et ce qui est invisible voit plus loin. Parce que la destinée à Moutouzalana est invisible. Avec comme invisible. Donc les diables aillent bakangou makas. Le diable ne te combat pas parce que de ce que tu es aujourd'hui. Il a combattu Jésus à cause d'étoiles. Et Rona Fanda Lobike, non, mon étoile, mon raison, une étoile à ma roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Habitant Bozo, qu'il est Bozo, on a pour avoir annoncé l'existence il y a moins d'un an. On a embrayé trois marches, a changé, on a la zone, Hérode a décidé qu'il n'y a pas de bon mélange à Bananion, Bananion sur ma beau terminé la génération. Donc il a voulu tuer l'étoile. Donc on combat l'étoile, on combat pas la personne. Ça c'est dans le domaine des combats. On combat pas la personne, on combat l'étoile. Moïse n'époque n'est pas vivant pour ma bagne sur mi bal. Pour aller pas pour ma bagne époque n'est pas sur mi bal. Parce que toi là, Moïse, c'est là qui est libérateur. Il devait libérer les enfants d'Israël. Là, on ne combat pas la personne, on combat son étoile, on combat sa destinée. Il y a ce qu'on appelle le combat de la destinée. Ça existe. Vrai ou faux, l'homme de Dieu, que le combat spirituel existe? Oui, le combat existe parce que le diable existe. S'il y a toujours un adversaire, c'est qu'il y a un combat. Mais comment on peut combattre dans les combats spirituels? Il faut d'abord être spirituel. Et ce n'est pas nous qui combattons. C'est Jésus qui combat à notre place. Il a dit garder silence. Moi, je combattrai pour vous. Merci. Nous sommes dans les 089 00 60 149. Tu es un bilan de Dieu, le révérend Pati Enak. Na yeto ko sur le magabotali prophétie. Et puis le sang mon akatiambo kanabiso. Tu as une saison de pluie. Tu as une saison sèche. Le visionnaire de l'église fait dévorant au hasard. Nam katiamabondeli. Papa, tu moni ba fiche, tu moni banderole. Séminaire, topé convention et bandit. Message clé. Y a convention, paix à séminaire aux amis. Ok. Awa tozo lobela sur. Nous sommes dans les préparatifs, il y a croisade. Dans le séminaire, ils en ont formé un préparatif, il y a croisade. Ouvrant les livres de Daniel, deuxième édition. Ça serait sur l'avenir, sur la direction Sayo, entre Yolo et Kingabwa, dans la commune de Ngiengi. Donc, à tous dans les cris des fils vers le Père. Ils ont la saison de prière et de jeûne. Toujours là, qui s'accueille, il y a toujours quelque chose qui peut pousser un enfant à crier. La Bible le déclare dans le livre des Psaumes 5 et 7. Dans les jours de leur angoisse et de leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Dans les jours de leur angoisse et détresse, ils ont crié à l'Éternel. Donc, moutonyo sozana ba difficulté, moutonyo sozana souffrance, yene mouto ro gangé panzan. Tozo tesalba nzambe ko tali l'abat.
ezana lisungite okozwa binzamba zoloba nzamba zo maudire abi maudit soit quiconque se confie à l'homme. C'est Dieu qui maudit la personne qui se confie à l'homme. Nzambe moko azo maudit mutu oyo azo se confier pa ya mutu. Donc la malédiction est sur la personne qui se confie à l'homme. La personne qui crie vers un homme, la personne qui mande à tout moment, il tire la malédiction de Dieu dans sa vie. Donc nous devons crier vers l'Éternel, comme les enfants d'Israël l'ont fait. Après 4 siècles et 30 ans de souffrance, ils ont pu prendre la conscience, car la prise de la conscience est la clé de la délivrance. Bazui conscience à passe na bango, bazui conscience à détresse na bango, bazui conscience y a ba punition et esclavagisme na bango. Et ils ont crié à l'Éternel, pas seulement à cause de la détresse et de angoisse. Ils ont crié à l'Éternel parce qu'ils savaient qu'il y avait une promesse. Aux Zambapes et à Abraham, après 4 siècles et 30 jours et 30 années, je ferai sortir mon peuple du pays étranger. Alors, tant que j'ai conscience de la promesse, ne va crier que Panzame, que l'heure est arrivée, on a besoin de Kairos. Le temps convenable, le temps de Dieu est arrivé, que nous allons délivrer Bamou. Et tant que vous criez, nous allons pas tindre qui m'ont souligné. Écoutez, il y a quelque chose de très bien là, de très important. La Bible dit dans l'Exode 3, verset 7, et puis je descendrai pour vous délivrer. Bana Isaïe, Bakantia, que nous allons quitter ma papa pour la Kangola Bamou, mais nous allons tindre Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reçois tout faveur, on a remonté à Moïse pour libérer le peuple congolais dans la souffrance, au peuple congolais, à se traverser dans l'eau. Quel est le vrai message, l'eau, bino, ma prophète, ma serviteur de Dieu, vous pouvez aujourd'hui nous prêcher pour que conscience soit congolais pendant qui? Le Moïse du Congo, c'est l'amour entre le frère congolais. Ça, c'est le Moïse du Congo. Je parle comme un prophète qui veille sur sa nation. Le Moïse du Congo, c'est l'amour du prochain du Congolais entre eux. Nous les Congolais, nous n'avons pas d'amour du prochain. Nous aimons notre pays, sa richesse, mais nous ne l'aimons pas. Prévenez le Congolais qu'on ne peut pas avoir le pouvoir. Qu'on ne peut pas avoir le poste. Qu'on ne peut pas avoir le poste de la boutique. Qu'on ne peut pas avoir le poste de la foufou. Les Congolais aiment ce qui appartient au Congo. Mais il n'aime pas son Congolais. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement que le Christ nous a donné. C'est ça le Moïse du Congo. Retenez cela. Le jour où les Congolais sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Les Congolais s'entretuent entre eux. Les Congolais, Sénégalais, Nigériens, Congolais, Koko Selo, ma campo na ba kangayo, pour na ba liambongo, Congolais. Donc, Congolais, ça a un problème à bolingo. Problème même chose à la politique, problème même chose à la niveau de socialité, ça a un bolingo. C'est l'amour qui va tout changer au Congo. Ça, je parle comme un prophète de Dieu. Si seulement Zamba côté si Moïse a bolingo na mitema na biso, ya kolinga na biso na biso, ne ko permettre biso to délivrer une chose. Et le reste là que bana Israël, ba ou me la peine esclavagisme même pendant que Moïse a yaki, c'est parce qu'il n'aimait pas Moïse. Parce que dans linga Moïse te. Donc quand il y a pas l'amour, il y a pas la délivrance. Il faut to linga na mboka na biso. C'est ça le message clé que je donne à notre beau pays, comme un prophète de ministère, comme un prophète de Dieu. Pas comme un prophète des dons. Des ministères. Merci l'homme de Dieu. Un numéro de contact et un mot clé par rapport à cette interview. Un mot clé n'a pas mon libino batuboyeko, mon abisso. Si ma yaba prière, tous en envoyant 18 jours de jeûne et prière pour qu'on prépare croisade. Ouvrant les livres de Daniel, deuxième édition, Oyonazo Bengisa, Bananzambe, Ma Pagano, Ma Religionios, Osala Bouddhiste, Osala Kitiste,
Corazon Teyaka, tu vas abandonner tout ça, les 20, les 21 et les 22 jours. Tu vas tout abandonner aux Alando Kiyaka Layo. Non, mais j'ai invité catégorie Nyos. Mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de prophètes qui touchent aux magies, hein, au rôle de la bande Péloko. Nalobi na moto Nyos, ou à Monique, à Tiaka Yesu Tembe. Yesu a sa mélange, il m'a dit Rabasaka. Yesu a sa mélange. Ou à Tiaka Yesu Tembe. À moins que Nzamba Kosa Telos Bon, à Kosa ba Catherine Kulman, à Kosa ba Dina Bala, Moutoua Tiki Sabanganga ba Kish na Kuna Nanjin. À moins que Nzamba n'en a pas la rabité. Si Nzamba n'a pas de bonnes, voilà, n'a pas de chèque. Na mission na bango ezape ya ngate na lobata lokola chadra ka betinego soka boko délivré biso na ibana libonal na funeza moto ezasoni na yemoko. Mais nous on fait confiance à Dieu et na keli que je suis na so sala confiance et panza ya ngona bengisi mutu nyonso le 20 le 21 le 22 na relevé de fina mboka kobo. Il est temps, le temps de Dieu est arrivé, que une nouvelle réveil authentique est s'annoncer. Un réveil nouveau et s'annoncer, un réveil authentique. Y a ba nyokate bima, y a ba mpouté, y a ba lionte zo bima. Spectacle amone le lobe sur les quatre églises de l'Église. Et ça les soufouté. Oui. Et comme il y a démonstration, y a spectacle. Et la démonstration n'est pas le spectacle. Est-ce que mbi c'est Robi Manandjo toi? La démonstration. C'était Robi Manandjo toi. La démonstration n'est pas un spectacle. Le Dieu va démontrer, il, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous rendra mes témoins, il parlera de ma part. C'est le Saint-Esprit qui va démontrer que Christ n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et était éternellement. Les anges de l'Éternel vont descendre le 21, le 20, le 21 et le 22 juillet, n'est-ce pas, si à Sayo, pour témoigner que le tombeau est vide, pour témoigner qu'il est sorti de l'au-delà, libre et vainqueur. Et il va confirmer ce que je suis en train de dire. Tous les prophètes de Baal vont abandonner les statues, les idoles, les tchara, les serbes, les metou, les singa, les kata, yango, parce que les kairos, le temps de Dieu, réveille à Sika. Et quand elle pas réveil à Roland Sabatouba Pongi, réveil à ma spectacle, mais réveil à puissance et à démonstration, réveil à enseignement de la parole de Dieu, il y a passion de la parole de Dieu, de l'amour du prochain, réveil aux autres, détruis ça là, Satan là. Le temps est arrivé, bah, et libate les mains. Je te parle parce que dans Zéla, Momo, bah, Nakala, et je suis convaincu que le temps est arrivé, que bah, et libate les mains, mon cannabis, et que bah, racine, soit bah, balé, bah, nako disparaître. Je vous l'ai dit, bah, koukima, bah, koulouka, bah, moka, bah, zong, bah, outaki, bah, zong, bah, on a bah, on a bah, zong, ça bah, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui n'a pas changé, a koti kate kombo na yezala malmené bongo. Il est temps que batou na ba ko kanga bisara na bango na mboka o ba ozonga ba mboka ba utek na ba nyuka na bango ba ozonga. Merci. Un numéro de contact par rapport à tous ces gens qui vous ont suivi, qui vous ont écouté aujourd'hui. Oui, na numéro nanga yeza 082 077 66 70. Sur Robandela. 082 077 66 70. Les numéros n'angaï, vous pouvez m'appeler là. Na Ernion, Sobomoni, na Yambate, c'est qui n'a pas occupé. Vous commenez un testo. Vous se présenter, je vais vous rappeler. Sobomoni, qui n'a pas Yambate, c'est qui n'a pas prié. Parce que n'a pas bien prié. Parce que nous sommes les lits actuels aux Zamba Pessi. Mandaya Eli. Toujours incarné présence à Eli. Nassé à Mabele. Mais comme il tente au bataille Mingi na Zamba. Et comme il taille à Kobi. Ma paix à Kou frappe dire. Ba Nyoka. Il faut ba Zonga Bissika ba Outaki. Merci. C'était un plaisir pour nous de vous présenter cette tranche avec le révérend prophète Patty Enak. Ensemble avec lui, nous avons discuté sur la prière, sur la prophétie. J'espère que l'invité du jour était clair par rapport à toutes les questions que nous avons posées à son égard. Restez scotchés, Simon. Nous remercions Jean Kalunda qui travaille à la radio, l'ingénieur de son. Nous remercions Christian qui était derrière la caméra. Merveille aussi. Restez scotchés, Simon, au programme de la radio Télé Message des Vies. Nous allons marquer une pause pour que nous puissions nous retrouver juste après. Oh, Congo Lipanda, Congo Lipanda, si tu es pas la mouka Congo,
Azeli kanisi ya malamu pona kosepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Azeli libango Kongo lipanda Kaninga Pona kuyeba historia Kongo Landa Kongo li